Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Engage, j'espère que vous allez bien, nous allons appuyer sur A. Parfait. Bon, il y avait au pire les flammes, elle aurait pris des dégâts au début du tour et elle serait morte, mais c'est mieux comme ça. Aléar, évidemment. La jumelle céleste, terminer l'annexe. Il nous a pris du temps, hein, cette annexe. Vous êtes devenu très fort, vous pourriez même battre Ephraim, mon frère. Merci du compliment, vous avez toujours beaucoup compté sur votre frère, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes de la même famille et nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Vous n'avez pas vu les choses sous cet angle-là. Vous devez savoir que je compte sur vous, Erika. J'ai confiance en vos opinions et en vos capacités. Merci, je voulais simplement aider votre cause comme d'autres m'ont aidé. Je suis si heureuse de faire partie de cette aventure et de pouvoir tous vous être utile. Vous m'avez sauvé tant de fois que je commençais à croire que je serais perdu si j'étais seul. Vous devriez avoir davantage confiance en vous. Tant que nous aurons foi en nos capacités, nous pourrons nous soutenir les uns les autres. C'est une bonne vision des choses. J'espère que vous resterez avec nous, Erika. Je l'espère également, Aléar. Je suis sûr que vous pouvez sauver ce monde. Yup. Alors, Erika et Ephraim viennent du coup du jeu qui est sur Game Boy Advance, de Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, je vais juste... Voilà, Fire Emblem Sacred Stones. Merci Vincent Boudry pour l'info. Donc, Sacred Stones, c'est celui qui est dans le... C'est le Fire Emblem sur Game Boy Advance qui devrait être dans le pack plus Switch Online, que je n'ai pas, évidemment, l'extension se passe online, mais... Je sais plus comment ils appellent, le Nintendo Switch Online plus Expansion Pass, quoi, ou Expansion Pack. Un truc du genre. Bref, qui inclut la N64 et la Game Boy Advance nouvellement. Il me semble qu'il y a un Fire Emblem et que ça doit être celui-ci. Donc, peut-être que je souscriverai. J'allais dire un mois, mais non. On fera pas le jeu en un mois, je pense. Donc, ouais, je sais pas trop. Ça vaut le coup. De souscrire un abonnement juste pour ça. On verra si je passe pas par émulation, plutôt. Mais bon. Quand on n'a pas le jeu, c'est un peu... Déjà que c'est pas... Quand on a le jeu, c'est pas foufou. Si en plus on n'a pas le jeu, ça va être un peu complexe. Donc on verra. Après, s'il y a peut-être... Je me renseignerai hein, d'abord. Hein. De toute façon, on fera pas ça tout de suite du tout. Puisque on a déjà 1 milliard de Fire Emblem à faire avant. Grosso merdo, tous ceux sur 3DS. Hein. Je verrai si je fais les autres... un jour. Mais probablement un jour, mais... Pas tout de suite du tout. Alors, vous voir tous si unis au combat était une véritable inspiration. Je dois redoubler d'efforts pour me hisser à votre niveau. Voilà, donc du coup, on fera Fire Emblem Sacred Stones peut-être un jour. Mais évidemment, on fera d'abord Awakening, puis Fate, tout simplement. Donc, pas tout de suite, puisqu'on a déjà Fire Emblem Engage à finir, plus l'extension Xenologue Déchu à faire avant. Ouais. Ça va faire beaucoup, ça va faire beaucoup parce que on a Tears of the Kingdom qui arrive, on a les jeux qui sont en cours actuellement, qui sont déjà bien présents. Il y a Final Fantasy VII que j'aimerais commencer, bonus de mise à jour 2 reçus. Ah, ça c'est tous les cristaux du coup qu'on a débloqués grâce au volume 4 d'expansion des dialogues, les liens sont disponibles, ok. On est partant d'Asoniel depuis. Et en plus de ça... On a tout en 2023 des jeux qui arrivent. On a le... Comment il s'appelle ? Master Archive Detective qui arrive en juin aussi, donc ça va forcément se rajouter. Et je pense que Professor Layton, ça sera cette année. Hein. C'est peut-être cette... Non, ça sera peut-être l'année prochaine, cela dit, mais ouais, je sais pas. Je sais pas trop, Professor Layton, quand est-ce que ce sera, mais ça arrivera quand ça arrivera. Bref, pas tout de suite, hein, les Fire Emblem. Bon, a priori, j'essaierai quand même de faire Fire Emblem Awakening quand on aura terminé Engage, tout simplement. Je pense que avoir un Fire Emblem toujours sur la chaîne, c'est cool. J'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup les jeux. Je me plais bien dessus. Donc là, c'est le nouveau, donc on fait le nouveau d'abord. Mais une fois qu'il n'y aura pas le nouveau, parce qu'on va finir Engage, je pense qu'en 2023, il sera fini. Hein. Après, évidemment, il y a le DLC Xenoblade Chronicles 3 aussi. Entre Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3 et les jeux qui sont déjà en cours... Ça va être difficile de vraiment tout boucler et de découvrir des nouvelles séries en cours, mais à un moment, on va bien les finir, ces jeux-là. C'est Céline, votre divinité, j'espère que je ne vous importune pas. Pas du tout. Ah, vous êtes réveillé.
Vous vous levez avec grâce et dignité, je n'entendrai pas moins. On t'a déjà vu, Céline. On pouvait pas avoir d'autres personnes. Ça aurait été intéressant. Alors, on va... Brocante, nouveau stock, puits ancien, nouvel événement. On va aller voir le puits ancien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Puis après, on ira donner à bouffer à notre petit chien, chat, machin, là, Somni. Somi. Je sais jamais, parce qu'en fait, c'est Somniel avec un N et c'est Somi sans N. Mais enfin, bref. La boule de poils sans poils. En même temps, si, c'est des poils, mais... C'est pas trop, hein. Si c'est pas des poils, c'est pas des plumes, en tout cas. Donc, si c'est pas des plumes, c'est des poils. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Vague 4, je suppose. Votre divinité, on a fait état d'une présence étrange semblant émaner de ce puits. Je me suis empressé d'inspecter les lieux, mais je n'ai rien à observer d'inhabituel. Peut-être votre divinité sera-t-il plus perspicace. Ah, c'est peut-être là que commence le xénologue déchu, cela dit. Vous pouvez accéder au xénologue déchu depuis le puits ancien. Ah bah oui, d'accord. Alors, vous pouvez les terminer à votre guise et retourner à l'histoire principale entre deux chapitres, si vous le souhaitez. Ah. Le niveau de difficulté des xénologues déchus est distinct de celui du jeu principal. Modifiez la difficulté des xénologues déchus. Ah. Ah merde. Ah, on peut directement faire les xénologues déchus en fait. Ok, c'est vraiment une histoire annexe. Bon bah on fera ça de toute façon quand on aura fini l'histoire principale. Hein. Vraiment, j'ai pas envie de m'embrouiller le cerveau en faisant l'histoire annexe. Je pensais pas qu'on pouvait faire l'histoire annexe. Je sais pas du tout de quoi parle les xénologues déchus, mais dans xénologue, pour moi, c'est un peu comme... C'est pas épilogue, mais j'ai un peu le sens qui fait quoi. Xénologue, ça veut dire quoi, xéno? C'est étranger. Et log, c'est quoi, histoire? Histoire étrangère. Quelque chose comme ça. Ou chapitre. Chapitre étranger. Je sais pas trop. Donc, xénologue, ouais. On verra, hein. On verra, de toute façon je ferai après l'histoire principale. Je ne peux pas m'empêcher de songer à tous ces navires de guerre, je crains qu'Elusia ne tente à nouveau d'envahir mon royaume. Je préfère le faire après pour la simple et bonne raison que je n'ai pas fini l'histoire principale et que j'ai envie de faire l'histoire principale également. Alors salle des emblèmes. Ferme, y'a rien, voilà, grotte, j'ai dit. Grotte, faut que je remette les emblèmes. Et puis... Parce que, évidemment, Erika et Corinne, du coup, ne se sont pas remis. On va le nourrir, on va lui donner un peu de bœuf. Voilà, t'es content. Miam, miam. Miam, 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 miam. Hop. Voilà. Putain, on l'aura jamais full cœur. Hein. On a aussi des missions des DLC qui nous manquent. Ce qui n'est pas négligeable. Et... Là, on va faire des missions de lien. Alors, attendez, c'est comment j'ouvre le menu déjà. Voilà, inventaire, référence, soutien, il y en a plein. Aléa avec Chloé. C'est parti. Vous avez dormi 1000 ans, et quand vous vous êtes réveillé, vous êtes retrouvé projeté au cœur d'un combat contre les forces du mal. Vous êtes la représentation parfaite d'un héros de conte de fées. Vraiment? Je vous assure, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens aussi extraordinaires que vous. Vous ne menez pas la vie d'une personne quelconque, vous êtes destiné à d'incroyables aventures. J'aimerais tant être à votre place. Je n'en suis pas si sûr. Ah bon? Et pourquoi? De lourds fardeaux pèsent sur moi. Je ne regrette absolument pas cette vie. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, elle n'a rien de quelconque. Mais justement, j'y aspirerais bien parfois à une vie quelconque. Oh, j'en suis vraiment désolé. J'étais tellement happé par mon désir d'avoir une vie digne d'un conte de fées. Je n'ai pas songé une seconde à ce que pouvait ressentir quelqu'un qui menait déjà pareille existence. Chloé, c'est inutile de vous excuser. Je savais bien que vous ne pensiez pas à mal. Cela ne m'empêche pas de me sentir quelque peu coupable. Oh, je sais. Pour m'excuser, je vais vous apporter des mets délicieux. Il s'agit d'un poisson de mer plutôt rare mariné au vinaigre. C'est tellement acide que vous en tomberez à la renverse. La bouffe de Chloé. Non. Je vais en chercher tout de suite, vous allez adorer. Je crois pas. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà des aigreurs de somar, rien qu'à y penser. Exactement. Parce que quand Chloé, elle vous dit que c'est un peu acide, vous avez un trou dans le bide, à mon avis. Hein. Putain, j'ai même pas de niveau C avec eux. Va falloir envoyer des cadeaux. Hein.
Prince Diamant, je désirais vous présenter mes excuses. À quel sujet? Je n'ai pas su vous remercier dignement, ni pour votre discrétion, ni pour la gemme que vous m'aviez offerte. Permettez-moi donc d'y remédier en vous exprimant ma reconnaissance maintenant. Merci. Oh, ne vous tracassez pas pour cela. Il y a tant dont Brodia doit répondre. Cette gemme est bien le moins que je puisse vous offrir. C'est exact. Brodia envahit nos terres à maintes reprises. Je me demande souvent où en serait mon peuple sans toute cette souffrance et ce sang versé. Voilà qui ne me surprend guère. C'est pourquoi vous ne devez pas la moindre gratitude. J'espère que vous comprenez. Mais vous êtes intervenu pour me secourir, entre quatre yeux, fidèle à vos valeurs. C'est pourquoi, fidèle aux miennes, je tiens à vous remercier. Je vois. Si tel est votre sentiment profond, Princesse Ivy, j'accepte votre gratitude. Quand il n'implique que deux personnes, un merci est aisé à formuler. Il en va de même pour les excuses. Ce n'est que quand deux royaumes sont impliqués que les choses se compliquent. Rien n'est plus vrai. Mon père était uniquement préoccupé des affaires du royaume lorsqu'il entreprit d'étendre notre territoire au fil de l'épée. Brodian a toujours agi qu'en suivant de telles préoccupations exclusives, mais cela doit changer. Qu'entendez-vous par là? Mon père nous a quittés, mais son influence demeure. Le changement prendra du temps. S'il existe une méthode plus simple, je ne l'ai pas encore découverte. Il m'arrive de me demander si je suis prêt à devenir roi. Je me reconnais bien dans ce sentiment. Ah, pardonnez-moi, ce n'était pas mon intention de me répandre de la sorte. Non, je vous comprends. Cela m'est un soulagement de constater que vous partagez mes incertitudes. Je sens désormais naître un espoir bien plus lumineux quant à l'avenir qui nous verra tous deux sur le trône. King and Queen. Mais pas du même trône, hein. Faites attention. Diamant, il est à moi. Hein. Ivy aussi, cela dit. Ils sont tous à moi. J'interdis. Princesse Ivy, nous devons cesser de nous voir à ces heures indues. Prince Alfred, n'êtes-vous pas censé être couché depuis longtemps? Oh, ce n'est pas ce que je vais dire tard, c'est que je me suis levé tôt ce matin. Je ne suis pas sûr qu'il soit tellement tard qu'on puisse dire qu'il est tôt le matin. En effet. Mais vous-même, que faites-vous là? N'arrivez pas à fermer l'œil. J'aurais cru qu'il était encore plus difficile de dormir ici. L'endroit est si lumineux. Non, en fait, je suis mieux ici. Il souffle un méchant vent cette nuit, pas vrai? On croirait entendre hurler un fantôme quand il s'engouffre entre les arbres. Que sous-entendez-vous par là? Inutile de tourner autour du pot avec moi, Princesse Ivy. Vous aviez peur de rester toute seule dans votre chambre, c'est ça? Comment osez-vous? Il n'y a pas de honte. Le vent me flanquait la fosse aussi, quand j'étais petit. Je me précipitais sous la couverture et j'en sortais plus jusqu'au petit matin. Je ne suis pas une enfant. Quand la peur vous prend, pensez à quelque chose que vous aimez. Vous serez endormi en un rien de temps. Ma mère me disait la même chose. Après quoi, je dormais comme un bébé jusqu'au lendemain. Je déteste cette expression. Un bébé, ça ne dort pas. Ça chiale, ça se réveille. Ça ne fait absolument pas une bonne nuit complète. Comme un ado, là oui. Je retourne me coucher. Il n'est pas de bonne santé sans un sommeil réparateur, comme on dit. Bonne nuit et ne laissez pas ce vilain vent vous la gâcher. Merci. Hop. Ah, non, mais il en reste un. Pourquoi j'ai mis B? Je ne sais pas. Hortensia avec Chloé. Quelque chose ne va pas, Princesse Hortensia? Ah, je vois. Maintenant, tu as ce charme bien spécifique. Ah bon? Oui, c'est une sorte d'aura sophistiquée, de maturité. Comme si tu pouvais être notre mère à tous. Pouvais être, plutôt. Ça me plaît. Je sais que je suis déjà mignonne à croquer, mais cette qualité que tu as serait une corde supplémentaire à mon arc. Je suis sûr qu'en grandissant, je finirai par bien l'avoir, cette fibre maternelle. Mais je ne vois pas pourquoi j'attendrai si longtemps. Si toi, tu l'as dès maintenant, je vais l'avoir dès maintenant aussi. D'accord. Peut-être parce qu'il y a 20 ans d'écart. Il n'y a pas 20 ans d'écart, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec moi, Chloé. Surtout qu'à partir de maintenant, j'exige que tu m'accompagnes afin que je t'observe. Et là, je pourrais voir comment ça fonctionne et je pourrais te piquer. Je veux dire, apprendre ta technique. L'aile. Je doute que cela fonctionne ainsi, mais pourquoi pas? Je suis toutefois honoré que quelqu'un de si mignon me trouve sophistiqué. Formidable, attends un peu, tu le penses vraiment? Ça ne t'a pas dérangé que je débarque à l'improviste pour exiger une chose pareille? Mais pas du tout, cela fait justement partie de votre charme. Et voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Mais comment tu fais au juste? Chloé quoi. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Meryn, évidemment, avec Rosado, tiens. Ah, Rosado, depuis toujours, c'était là notre destinée. Je sais bien, cela devait arriver. Je n'ai aucune envie d'affronter une amie, mais c'est là notre destin et nous ne pouvons pas y échapper. Non, nous n'avons d'autre choix que de régler cela ici et maintenant. C'est parti. Le duel entre la classe et le charme. Que le meilleur gagne. Tu as fiévreusement étudié ce qui relève de la classe, tandis que je me suis spécialisé dans tout ce qui pouvait être charmant. Par un coup du sort, nous nous sommes rapprochés, et à présent nous devons décider quelle est la meilleure approche.
Voici comment nous allons procéder. Tu te mettras en quête de l'objet le plus charmant, tandis que je dénicherai un objet de plus classe, et nous trancherons. Nous nous montrerons réciproquement ces objets, et celui qui sera le plus fasciné sera déclaré perdant. D'accord. L'objet que je vais te rapporter sera si mignon qu'il fera fondre ton petit cœur. Fais de ton mieux. Je vais rapporter un objet tellement classe que tu en auras la mâchoire décrochée. Très bien. Le concours de fascination commence. Mais on ne sait pas ce que... Ah, mais c'est... on l'aura en niveau B. Ok, d'accord. Rosado avec Hortensia. Je vais me demander... On va aller voir la compétition. On veut savoir. Ah, vise un peu ce chef-d'œuvre, Hortensia. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, regarde ça, j'ai fait ton portrait. Je dessine à la vitesse de l'éclair, c'est mon talon à moitié caché. Tu as vu? On dirait ton reflet dans le miroir. Regarde un peu comme tu es belle. Tu te fiches de moi, j'ai l'air dans la lune, je ressemble à rien. Bon, on efface tout et on recommence, mais cette fois je prends la pose. Moi, il me plaît bien ce portrait. Arrête de dire des bêtises, il est horrible, je n'ai pas du tout cette tête. Là, comme ça, c'est mon bon profil. Alors redessine-moi. Non, c'était mieux avant. On ne discute pas les ordres d'une princesse. Bon, ça va, reprends ta pose pour voir. Terminé. Alors, heureuse? C'est parfait, n'oublie pas de bazarder l'autre, surtout. Ne laissons pas la postérité l'image d'une souveraine gnangnan au regard vide. Tu n'as rien de gnangnan. Mais le pauvre, garde le dessin, Rosado, s'il te plaît. On aurait bien aimé le voir. La pose qui prend Rosado. Hortensia aussi, hein. C'est un sacré caractère, Hortensia. Pauvre Alchrist. Hop. Sidal, il y a un petit côté, je me la pète quand même. Chloé avec Byless. À mon avis, vous avez beaucoup à digérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est très aimable à vous, Chloé. Je ferai de mon mieux pour vous rendre l'appareil. Et niveau 5. Et Mérine avec Lucina. Est-ce qu'on mettrait pas juste... C'est Ivy, hein. Non, c'est pas Ivy, c'est comment elle s'appelle? Tiki, c'est Tiki. Dame Lucina, je crois savoir que jadis vous combattiez masqué. Je songe à porter un masque moi aussi. Je ne portais que pour dissimuler ma véritable identité, mais je crois qu'un masque vous irait à ravir, Mérine. Tout lui va à ravir à Mérine. D'ailleurs, on pourrait lui mettre un masque, si elle veut. Attendez. Après, pourquoi camoufler, c'est... Pourquoi camoufler, quoi? Je ne finirai pas ma phrase. Piscine verger, c'est où? C'est où? Ben c'est là. C'est la place. Hop. C'est par là. Hein. Il y a des nouveautés ou pas? Dans la boutique. Voilà, tu veux un masque. Masque élégant. C'est pas le meilleur des masques. Non, mais on va rien lui mettre. Ça vaut pas le coup. Hop. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voilà, les emblèmes. Ça vaut le coup que je laisse. Ouais, allez, Edelgard avec enfin Edelgard, c'est trop fort. Salle des emblèmes, c'est la salle des emblèmes ou c'est l'arène? Non, c'est l'arène, je peux faire l'arène, j'ai pas besoin de faire la salle des emblèmes, je peux le faire directement dans l'emblème, enfin dans l'arène. Hop, pam pam pam. Standard, non, on n'a pas besoin de ça, on va faire emblème. J'ai envie de mettre Aléar du coup, avec Tiki. Ça, on va essayer de vers le niveau 10 pour hériter des techniques. The Divine Dragon Child. Merde. Baléar, c'était quoi cette merde? C'est quoi cette vieille épée que t'as sortie là aussi? Je peux pas changer ton équipement? Je suis vraiment contente de devenir l'ami d'un autre dragon divin.
Nous allons avoir tellement de choses à nous dire. J'ai aussi hâte que nous puissions bavarder. Nous allons sûrement devenir d'excellents amis. Parlez-moi donc un peu de vous. Je pourrais mettre Tiki, mais non, c'est Alfred, il est très bien avec ça. Géosphère. Après, je passe niveau 10. Emblème, Aléar. Avec Tiki. Comment c'est? Je peux juste pas changer l'équipement d'Aléar. Non, je peux pas changer l'équipement. Tant pis. Mettre Tiki, du coup. No holding back. Il y a la même épée, on va se faire éclater tout pareil. Hein. Ah, mais les 59%. Ah, quand même. Mais ouais, c'est quand même pas suffisant. Bah, lui mettre une autre épée. C'est étrange, non? Nous sommes tous les deux des dragons divins, mais vous, votre chevelure est bicolore. Je trouve ça super. Merci pour le compliment, Tiki. Vous avez vous aussi de très jolis cheveux. Ce vert vous donne un air un peu mystique. Vous êtes des dragons, vous parlez de vos cheveux. Sérieusement. C'est vrai qu'Aléar, en même temps, il a des cheveux un peu particuliers quand même. Alors. Il a été des techniques. Elle fait quoi celle-là? Si une unité initie le combat, réduit de 50% la probabilité de... Non, on va faire Vitalisphère. Voilà. On a 2000, la Vitalisphère plus, elle coûte 2000. La plus, elle coûte 3000. Ouais, mais on va faire juste celle-là. Ça suffit, on va gérer les techniques. Est-ce que j'enlève les PV max? Ou je confère l'esquive plus 10? On va virer les PV max de plus 10, je crois. C'est pas temps de changer. Non mais attends, je veux pas gérer les techniques moi. Emblème. Chloé. Avec Byleth, on va faire le niveau 10. C'est quoi l'arme du niveau 10 là? A mon avis, Byleth devrait gagner. Hein. Non, même pas. C'est quoi ce Byleth en bois là? Normalement, Byleth il éclate tout le monde. Hein. Surtout avec une épée. Hein. Tu lui mets n'importe quoi en face, il tape tout. Hein. Il fait bam bam, ça dégage. Je m'intéresse aux contes de fées de votre monde. Auriez-vous la gentillesse de m'en rencontrer? Je n'en connais pas beaucoup, mais est-ce que vous voulez entendre Lug et la demoiselle du vent? Bah vas-y alors. Envoie. Ça doit être dans un des bouquins de la bibliothèque de Three Houses. Plus 15 de précision. Ok, aptitude aux arts. Plus 20 de précision. Charme plus 6. Chance plus 6, pardon. Aptitude à l'épée. Et on a Varira Mushti. Qu'est-ce que c'est? Gantelet de l'emblème Byleth. Si l'unité initie le combat, deux attaques. Cible def ou reste de l'ennemi. La plus basse. Pourquoi pas? Étrange d'avoir des gantelets, mais on sait jamais. Ok, ok. On va s'arrêter là. Pour ce côté de... d'entraînement. Et on va quitter... à partir. Est-ce qu'on retourne dans la carte du monde ou on va aux annexes divines? On va aller à l'annexe divine. Voir s'il y a, s'il y a eu des nouveautés. Je pense pas. Hein. Il devrait pas y avoir, mais juste voir ce qu'il y a comme annexe divine. Sanctuaire des héros, c'est là où on était effectivement, temple du dragon. Nous avons l'annexe divine, la grotte magmatique. Nous avons l'antre du berserker. Et enfin le passage souterrain. Et également l'autel de la destinée. On a 4 à aller récupérer. Je me demande si c'est pas une. Ça serait pas intéressant de le faire. Au moins celle-ci par exemple. Débuter le chapitre. On va faire ça.
De toute façon, c'est adapté a priori. Le niveau est adapté à celui qu'on a, le stratège. Annexe divine, qui c'est que ça va être? Quelle chaleur étouffante! Êtes-vous sûr que nous trouverons un bracelet d'emblème ici? Oui, je l'ai trouvé. C'est le bracelet du stratège. Tant mieux, je suis soulagé. Merci Tiki, je vais l'invoquer sans attendre. Prodiguez-nous vos conseils, emblème de la perspicacité. Ah. Je ne sais pas qui c'est, mais un mage, c'est plutôt bien. Yes donc. Quel Fire Emblem vient-il? Soren donc. Ainsi le jour que je redoutais est venu. Je vous salue et vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Je suis le dragon divin Alear. Je me nomme Soren. Vous êtes ici pour quémander mon aide. Je présume. Soren, je ne sais pas de quel jeu il vient. Je compte sur vous pour me le dire. Dans ce cas, je vous demanderai de bien vouloir importuner quelqu'un d'autre. Comment? Mon allégeance ne peut aller qu'en une seule personne et unique personne, et ce n'est point vous. Je vous en prie, ne dites pas cela. Nous avons grandement besoin de votre aide. Et pourtant, vous semblez réticent à l'idée de m'enrôler sous la contrainte. Ne serait-ce pas la seule alternative dont vous disposez, vous qui paraissez à ce point désespéré? Peut-être, mais je préférerais que nous parvenions à une forme d'entente mutuelle. Soit, mais vous devez faire vos preuves. Je mesurerai la pertinence de mon soutien à l'aune de votre aptitude au combat. Vraiment? Vous y engagez? Ai-je seulement le choix? Vous semblez être de ces personnes qui ne sauraient souffrir le moindre refus. Je ne sais si c'est vrai, mais je suis reconnaissant. Merci, Emblème Soren. J'ai seulement annoncé que j'accepterais de réfléchir à la question. Je constate déjà que votre capacité d'attention laisse à désirer. L'aile. Mais non. Non, tu considères, nous on te force un peu la main, c'est tout. Ouais, on va être pas mal du coup. Ça, c'est la troupe précédente. Est-ce qu'on est. On est nombreux ou pas? Unité. On est 12. Ça, j'aime. Par contre, waouh. Ouf, ouf, ouf. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Aïe. La map est gigantesque. Oh là là. Ah ouais, la map est gigantesque. Soren à la classe. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Par contre, là, il y a beaucoup de monde. Hein. Ah merde, il y a des bâtons. Il y a des piafs, il y a des bâtons, il y a des dagues. Il y a des épées, il y a des haches. Il y a vraiment de tout. Pas trop de... Il n'y a pas trop d'épées, en vrai. Il y a beaucoup de lances, là. Il y a quelques épées, quand même. Il y a quelques épées, quelques lances, il n'y a pas tant de haches, j'ai l'impression, en vrai. Il n'y a pas de haches du tout, en fait. Il y en a une là, mais c'est tout. Il y a les cuirassés, c'est des haches, mais le reste, il n'y a vraiment rien. Donc on va... Les haches, c'est l'épée, justement. Il me semble. Bon, de toute façon, on a les arts. Le diamant, t'as l'épée et la hache, mais c'est bizarre que t'aies vraiment rien. T'as vraiment que dalle comme épée, si je fais tout optimiser... Hop, ah ça a mis les emblèmes déjà, bah c'est ça, j'avais... Je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. C'est bizarre que ça m'a mis... Attendez, emblème, unité, emblème. On va enlever Corinne de Yuna... On va virer Corinne. On va le mettre sur Yunaka. Ça me plaît mieux déjà. Et Sidal... On va mettre Sharana, voilà. Je suis même pas sûr que je mette Sidal avec nous, cela dit. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un Zelkov, par exemple? Ah non. Ah, quoique. C'est pas trop bon. Céline, ouais, elle est trop basse, je pense, en niveau. Kagetsu, il est pas mal Kagetsu aussi. Ceux-là je les ai complètement laissés tomber. Ça va être compliqué. Est-ce que Zelkov... Ouais mais Yunaka... On va redonner une chance à Yunaka. Quand même assez haut niveau, faudrait juste qu'elle ait...
C'est juste qu'elle a des armes sympas, quoi. Pourquoi tu lui mets ça? Une dague exaltant un doux parfum. Ça augmente les scies, ouais. C'est vrai que faut qu'elle ait de la vitesse, elle. Faut qu'elle ait de l'esquive. Hop. Ça me plaît bien, cette troupe, là. Pas mal de monde. Arc-lumière, inferno. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On va sauvegarder. On va s'arrêter là pour cet épisode. On devrait se retrouver demain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Et à la prochaine.